ministère, vous venez rencontrer la jeunesse. Justement, quel est votre programme pour la jeunesse? Oui, mais c'est qu'on va voir tout de suite. Tu es bête, non? C'est ça qu'on va voir tout de suite dedans. Hein, ma fille? Non, ça, ma wawa, alors, à ce moment, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'on gagne dedans maintenant? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Non, ce n'est pas les journalistes qui m'ont invité. Ce sont des jeunes. Paraît-il, je viens écouter, c'est tout. Mais moi, le parrain est fier. C'est le seul parti en Afrique et au monde qui a prévu la ruine du socialisme et du capitalisme. Tu parles d'une troisième voie. À côté de vous, il y aura des leaders politiques de l'opposition. Comment vous appréciez ces gens de débat? Non, je ne suis pas là pour apprécier un autre. Non. Personne n'est devant moi, personne n'est derrière moi. On m'a demandé de venir dire quel est mon programme. Je suis fier de dire qu'il n'y a pas deux programmes, c'est tout. Et ce programme, c'est lequel? Mais je veux que tu es trop bête, je ne vais pas te répondre. Et ce programme, c'est lequel? Mais je veux que tu es trop bête, je ne vais pas te répondre. Et ce programme, c'est lequel? Mais je veux que tu es trop bête. Nos enfants sont aujourd'hui des choulards, des bandits. Mais voilà! Le délit d'apparence. Il y a un député appelé Mahaman qui dit oh, le délit d'apparence, c'est imaginaire. Bon, lui, c'est un pauvre type, un malade. Il ne sait pas de quoi il s'agit. La loi ne s'intitule pas loi relative au délit d'apparence. La loi est en train de modifier le code pénal pour instituer le délit d'apparence. C'est donc dans le corps de la loi qu'on dit qu'il est créé un délit d'apparence, on dit de quoi il s'agit. Il s'est permis de dire dans des radios que c'est faux. Ben, heureusement, deux journalistes sont venus à la maison. Je leur ai présenté même les 9 lois. Il va dire quoi? Donc quand même, s'il y avait ça là, il y a beaucoup de détourneurs, de détournements qu'on aurait évité. Le parent, c'est la lumière. Tu vas briller toujours parmi les ténèbres. Les gens n'ont qu'à dire qu'on parle mal, mais pourvu que le gars à la maison se pose des questions. Ne faut croire que le rabbado parle mal. Ils sont combien de cadres que j'ai formés? Même les cadres africains, pendant 10 ans, j'avais 2 missions d'enseignement à l'école internationale de Bordeaux. C'est moi qui animais tous les séminaires pour les hauts cadres francophones. Ils sont combien de ministres qui sont mes étudiants? Combien de députés qui sont mes étudiants? Je ne parlais pas mal. J'ai voulu choquer. On s'est décidé à ça. Il faut que le gars vaille à la maison la nuit. Il dit, pourquoi on lui a parlé comme ça? Ah, c'est qu'il y a quelque chose. C'était tout. Eh bien, nous, on a voulu conscientiser et nous sommes le seul parti qui a fait ça. L'éducation du peuple est le 4e objectif. Je suis constitutionnaliste, c'est moi qui l'enseigne. Les autres n'ont pas de conférence à donner, mais ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée. Voilà le problème. Combien d'ouvrages ont été publiés? Je vous demande. Vous avez vu un autre responsable de parti qui a publié IOA? Ils n'ont pas d'idée à publier. Quand je vois des intellectuels, tu cours derrière des partis foutus. Tu n'as aucune idée de développement du Burkina Faso. Ah, mais je me dis où est-ce qu'on va aller? Un menteur croit que tout le monde est un menteur. Un voleur croit que tout le monde est voleur. Moi, pas moi, Laurent Gbagbo. Je suis très droit, très pur. Je ne connais que la vérité. Vous n'êtes pas les analphabètes à qui on ment. Vous n'êtes pas les mendiants. Vous n'êtes pas les mendiants d'Armaya qu'on achète. Vous avez compris plus que n'importe qui que la politique, ce sont les idées. C'est l'intelligence. L'intelligence. Sans les idées, on ne peut pas construire un pays. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne sait pas discerner de voter. À ce moment, il amène la démocratie par en bas.
clair. J'ai un modèle de démocratie extraordinaire. La confiance viendra d'en bas et le pouvoir viendra d'en haut. Lisez-moi dans mes bouquins. Lisez, c'est écrit là-bas. Je vous dis mon modèle de démocratie. Tu veux éviter à nos parents là de venir voter alors ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Nous avons besoin aussi de recherche traditionnelle. Mais recherche traditionnelle en politique, c'est que ces gars maintenant sont des minards, de pauvres types. Ils ont trahi leur vocation. Ils ont trahi leurs racines. Ils ne sont plus dignes d'être appelés des chefs. Ils courent derrière les partis riches maintenant pour pouvoir manger. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Le parent n'est pas venu disputer le pouvoir avec des charognards, avec des vautours et autres animaux de la brousse. Pas du tout. Et le parent là, il vient refaire tout le Burkina Faso. C'est refaire le Faso. Nous, on ne vient pas coudre un vieil habit déchiré. On ne vient pas laver un habit sale. Le parent coud tout un habit neuf pour le peuple burkinabé. C'est la différence avec les autres. Même il y en a qui parlent de changement, mais ils ne pourront jamais dire en quoi consiste le changement. Il faut jamais vous dire en quoi consiste le changement. On ne va pas soigner les maux du Burkina Faso avec les recettes périmées du capitalisme occidental ou du socialisme occidental.